Et bonjour à vous, Martial Martinez de l'agence immobilière Michel Rouille, l'agence indépendante ici en cœur de ville depuis 1984, située au bout de la rue nationale en face du parking Turpo. Alors aujourd'hui on se retrouve ici dans le quartier Marne puisque je vais vous présenter une maison d'ici un court instant. Vous avez certainement une personne autour de vous qui cherche à se loger, de la famille, un collègue, un ami. N'hésitez pas à partager ce contenu informatif auprès de votre communauté. Alors cet endroit où je me situe, il est quand même assez attractif puisqu'il y a plein de commerces dans mon dos. Je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez des enseignes et puis ici, là, un supermarché. Et puis quand on descend, on va direction les Halles. On est également aussi assez bien situé avec des axes routiers assez importants pour rentrer et sortir de la ville. Cette maison que je vais vous présenter d'ici un court instant, elle a pour référence Coquelicot. Elle fait 100 mètres carrés sur un terrain de 430 mètres carrés. 100 mètres carrés de surface habitable pour la maison et sur la même parcelle on a une dépendance qui fait 85 mètres carrés. C'est un vrai atout pour divers projets. Ça peut être un garage, ça peut être un atelier. Cette maison peut se destiner à un artisan pour entreposer, ranger des véhicules, puisqu'on peut aussi mettre plusieurs véhicules sur la parcelle. On a un passage latéral sur la propriété qui permet d'entreposer un camion, éventuellement plusieurs véhicules. Et puis dans cette dépendance de 85 mètres carrés, eh bien on a la possibilité d'aménager également un logement supplémentaire pour une famille qui souhaiterait y loger des enfants, de la famille, des gens de passage, ou pourquoi pas même eh bien d'en faire une activité saisonnière, un Airbnb ou quoi que ce soit. Si je maison qui elle fait 100 mètres carrés, écoutez, c'est assez simple, il y a deux marches, on monte et on arrive dans une pièce de vie relativement spacieuse qui fait 65 mètres carrés. À l'intérieur de cette pièce, vraiment très sympathique, sur un parquet, on va retrouver donc un salon, un séjour ainsi qu'une cuisine et puis toujours de plein pied une chambre avec un WC. Ensuite, on prend un escalier, on arrive sur la partie supérieure qui va desservir un palier avec une salle de bain, douche, baignoire, WC, une chambre, une deuxième chambre et on passe par une pièce qui va être un bureau, une salle de jeu. C'est une pièce traversante, donc il y a deux chambres à l'étage plus cette pièce traversante qui peut être également une chambre d'appoint si vous accueillez des gens pour dormir à votre domicile. Je vous invite à venir visiter cette maison physiquement avec moi et en attendant, on va faire cette visite immersive ensemble sur le format comme si vous y étiez. Allez, c'est parti, suivez-moi, on y va, go !